Canal Pola, on TV News, une autre fois encore nous entrer dans Kala. On porte une super vidéo pour nous. Côté, nous pour aller dans le Parlement haïtien et nous pour aller dans les Nations Unies, côté tout le monde connaît, et bien, et côté, il y a annoncé, il y a voué un autre corps, côté nous pour aller dans le bout de Minijis, et bien, il y a voué un autre corps pour venir placer Minijis, qui c'est bien, et bien, côté, moi et Jean-Charles contribué, et bien, annoncé là. Et bien, grand pile détail, grand pile détail qui parle dans la nouvelle là, qui nous parle sur ensemble avec nous. Et pas négliger, aidez-nous, faites travail là, s'il te plaît. Aidez-nous, partagez, abonnez, like, vidéo pour nous, s'il te plaît, parce que sans nous-mêmes, le travail là, pas pour continuer. On TV News, nous là pour nous voter bon gens information pour nous. Et les gens sont là, moi invitez nous pour nous suivre ensemble avec nous. Moi, Jean-Charles, qui a fait une déclaration sur et annonce, une bine qui a rentré dans le pays avec député et président, chambre député, et bien. Annoncé pour population alka chaque grain député qui va aller vivre. Restez branchés, on divinus. Tenue de la séance en Assemblée nationale portant la fermeture de la séance extraordinaire et l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2019. Je me dispense de discourir et je vous dispense aussi de mon discours, étant donné la situation. L'ordre du jour est indévisé. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare lever la séance en Assemblée nationale. L'Assemblée nationale la fête, donc session en l'ouvri. Donc, moi, je demande pour la population, la caille chaque député, il faut que le député vienne travailler, il faut que le sénateur vienne travailler, même si nous connaissons le sénat siège en permanence, parce que je dis, il faut que nous priorisions la culture et du résultat au niveau du Parlement ici. Bon, mais ça, c'est pas même un bail qui était nécessaire, même quand on est politique là, c'est qu'on s'allie. Il faut qu'on filme. Donc on est au niveau de la Chambre des députés, il y a 3 mises en accusation qui sont déposées. Et déjà au niveau de la conférence des présidents, il y a des dispositions célèbres qui te prend pour que mise en accusation, ça aille au débat en Assemblée. Donc, à 2 reprises, par exemple, la mise en accusation qui concerne le chef de l'État, notamment c'est mettre en débat. Donc, député, il n'y a même pas de bail-quorum, mais espérer fois ça, il y a une bail-quorum pour toute mise en accusation que fait pour nous traiter, parce qu'il n'y a aucun sujet qui doit être tabou au niveau du Parlement haïtien. Et désormais, la crise de la soutenance est dans l'institution. Effectivement, que nous étions en situation difficile avant que de commencer avec l'Assemblée nationale, comme Jean, que nous avons constaté là. Et nous avons eu une discussion qui était faite, et une discussion qui était faite autour de toi, président Blocio, parce que nous avons eu important et nécessaire pour moi que nous arrivions à l'Assemblée aujourd'hui. Et c'est sous base ça que nous avons discuté en pile, et par rapport avec et ça que l'opposition a demandé, peut-être que nous avons eu une mise en accusation qui a été déposée dans le bureau depuis 7 mois, à savoir depuis le 20 février, et nous avons exigé que, pour au moins que nous d'accord pour entrer dans l'Assemblée nationale, il faut que. Et nous prenons engagement pour que nous mettions là dans la première séance qui est pour faire dans la Chambre des députés. Bon, effectivement, nous avec eux, nous jouons en entente. Et que ce soit moi-même, que ce soit l'autre des dirigeants bloc, parce que c'est trois blocs qui gagnent, c'est APR et OPL Vérité Allié, et nous signons l'autre engagement. Il faut dire que nous n'avons pas assumé responsabilité nous. C'est pas, nous pas signé pour députés, nous avons signé pour l'engagement bloc, même si nous parlons avec tous les collègues et pour eux. Qui est d'accord avec position, nous avons un grand bagage que nous faisons pour nous assurer la responsabilité. Et actuellement, nous avons 42 députés. Le représentant d'Haïti au siège de l'ONU a salué mercredi la création par le Conseil de sécurité du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Malgré notre contexte national difficile, la création du BINU est un pas dans la bonne direction, a affirmé le diplomate haïtien. Certes, notre pays se heurte à des difficultés majeures, mais la situation ne comporte pas de menace à la paix et à la sécurité régionale, a-t-il assuré, saluant l'attachement du Conseil à la souveraineté et à l'indépendance haïtienne. Haïti sort ainsi du chapitre 7 de l'Organisation des Nations Unies après 15 ans et 2 missions de maintien de la paix. Nous aurions voulu d'une mission politique spéciale à la hauteur des défis auxquels se heurte le pays. Nous citerons entre autres la difficulté politique qui exige un dialogue constructif
authentique et inclusif entre toutes les couches de la société haïtienne. Les difficultés sociales, économiques et financières qui requièrent la mobilisation de ressources financières adéquates. Les difficultés en matière de sécurité, compte tenu de la multiplication des actes de violence, de la dissémination des armes à feu et de la prolifération des gangs armés. Les difficultés en matière de relance de la production nationale et de sécurité alimentaire, car il y a encore lieu de craindre des émeutes de la faim. Les difficultés humanitaires, y compris la lutte pour l'éradication du choléra. Les difficultés environnementales, compte tenu de la vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Monsieur le Président, je garde bon espoir que cette mission politique spéciale disposera de moyens financiers adéquats pour aider concrètement les autorités haïtiennes à surmonter cette crise multidimensionnelle. C'est ainsi et ainsi seulement qu'on pourra parler d'impact réel de la présence des Nations Unies sur la stabilité, la sécurité, le renforcement institutionnel et le développement durable en Haïti. J'encourage vivement tous les membres du Conseil de sécurité et tous les membres du Conseil économique et social, notamment les membres du groupe consultatif ad hoc de l'ECOSOC sur Haïti, à engager une réflexion stratégique en vue de rendre la présence onusienne en Haïti intégrée, équilibrée, respectueuse des priorités nationales et synergique selon les trois piliers indissociables de l'organisation. Pour conclure, je dirais, Monsieur le Président, que la mise en œuvre adéquate du programme de développement à l'horizon 2030 constituera à coup sûr le principal fer de lance de la sécurité et de la stabilité nationale. Je vous remercie. Le secrétaire général de la plateforme Petite-Dessalines se dit contre la création par l'ONU d'une mission politique pour Haïti. Selon l'ancien sénateur du Nord, l'ONU a échoué sur le terrain. L'opposant farouche à l'administration de Jovenel Moïse annonce la tenue d'une manifestation en guise d'accueil aux membres de cette mission dont l'arrivée est prévue pour le mois d'octobre prochain. Gros pays, ils ne peuvent pas occuper nous directement, mais ils utilisent ces de l'autre pays pour une occupation. L'entendre, le Conseil de sécurité a dit, mais pour quatre raisons, la voyez, mission ça en Haïti. C'est joué à Timoun. Faut qu'on va oublier, non? Nous tendons pour organiser l'élection. Mes amis, et pas ministre qui tape le procès d'abord, tape le bulletin pour être calé. Nous ne pouvons pas oublier ça, on ne peut pas y chien. Deuxièmement, nous tendons pour renforcer la police nationale. Bon, on était là déjà. Je fais tout le temps ensemble dans le pays. Je ne vais pas rien pour la police nationale. Et puis, c'est aujourd'hui, il est venu pour renforcer la police nationale. Je ne sais pas quoi ça. Je dis tout pour garder ce qui passe dans la prison. Je ne sais pas si on est là déjà. Et je dis tout pour renforcer le secteur de justice là. En tout cas, nous prenons responsabilité nous pour nous dire, papa, ici, hein, premier jour, ministre pour venir dans le pays, hein, ou bien, moun qui pour venir dans la nouvelle mission, ça, papa, ici, même jour, hein, nous pouvons organiser une manifestation pour dire, nous pouvons faire la présence dans le pays. Hein. Les frères de l'Amérique latine, camarades, Amérique du Sud, qui toujours accompagne nous même petite de Saline, dans la bataille pour nous retirer le ministre dans le pays, hein, yon l'autre fois encore, nous fâcher, l'entendre, Nations Unies, qui doit décider pour envoyer troupes ou bien pour envoyer une mission civile dans le pays. Hein. Nous, petite de Saline, nous rejetons présence Nations Unies, une nouvelle fois encore dans le pays. Hein. Le directeur exécutif du Centre alternatif pour le développement des collectivités territoriales, Eslom Raymond, dénonce le comportement de plusieurs secteurs qui réclament le départ du président de la République, Jovenel Moïse. Il invite le chef de l'État
à prendre ses responsabilités en gouvernant le pays, sinon il va devoir en tirer les conséquences. C'est le président de la République, ou même le premier ministre, ou même le ministre de l'Intérieur, il est là. Et quand on a vu ta vie, il y a un bac à la priorité. Pour qui ça? Ah non, parce que la justice, ça va arrêter, la police, ça va arrêter. Pour qui ça? Parce que c'est des criminels, c'est des bandits et des voleurs. C'est clair. Parce que les gens qui ont descendu dans la rue, et que les gens ne peuvent pas descendre avant, parce qu'ils connaissent. Est-ce qu'ils ne connaissent pas les nègres là? Pas attendre que je parle. Ils ont couru avec 750 000 dollars américains dans leur valise. Donc, tout le monde comme ça. On s'est supposé dans la prison. C'est clair. On t'a dit ça la phénomène. Son corps, il prend une mauvaise affaire. C'est-à-dire que comme ça, c'est la justice qui pourra le déterminer. Et puis, le monde qui est un corps là pour venir devant la justice. Mm-hmm. Ou comment est-ce qu'elle l'a mis en même? Donc cela veut dire qu'elle est à nous. Elle est à nous. Comment est-ce que des gens que nous avons cité dans le mauvais bagaille, ils étaient là, tout le monde était venu monsieur pour son époque. Qui n'a tout carte bagaille. Donc cela veut dire que aujourd'hui, en société, si nous ne faisons pas passer maintenant tête dans les yeux, nous avons effondré. Tout le pays en crise, le Parlement en crise, la justice en crise. Parce que nous entendons CSPJ demander le président pour l'aller. Vous ne comprenez pas ça, non? Comment pour juge le coup de cassation dans le CSPJ, nous sommes notre pouvoir, ou demander au président aller. Donc imaginez si le président ça. C'est ton président qui est fort, l'arrêter tout pour nous. Oui. Et puis le mettre en résidence surveillée jusqu'à ce que y ait un bail qui fait, ce n'est pas possible. Donc on n'est pas capable de prendre l'institution pays pour faire l'ordre avec lui. Que donc la société a un problème. Et je suis sûr que si les juristes sont souverains, il y a d'accord avec samedi parce que l'État est souverain. Malheureusement, Wendell, nous n'avons pas sélectionné des gens qui peuvent diriger nous. Nous quittons n'importe quel magistrat communal. Nous quittons n'importe quelle qualité de mon député et sénateur. Nous quittons n'importe quel président. Nous gagnons 11 présidents ce passé-là, de 86 à 2017. 11 présidents, il y a 5 élus. Nous sommes seuls qui sont hommes politiques. C'est les Sénégalais. Toutes ces personnes qui sont nulle part, qui paye ou le fait. Ou pas mettre des socs, ou pas mettre des balises. N'importe qui monde, n'importe qui ça. Alors ce que ce n'est pas vrai, il n'y a pas comme ça. Une société faite pour ces meilleurs qui ont une direction institution et ça fait que l'État fragmente chaque monde et puis vous mettez n'importe qui monde dans l'État, l'État n'a pas de service encore.